Le voyageur qui, de la terrasse de Corde, regarde la nuit d'été, c'est ainsi qu'il n'a pas besoin d'aller plus loin. Les mots d'Albert Camus, Paul Quillès en a fait un peu les siens. Il termine cette déclaration d'amour pour Corde en disant à Corde, tout est beau, même le regret. Dans son bureau qu'il occupe depuis près de 25 ans à la mairie, se mêlent les souvenirs de cet ancien ministre de François Mitterrand et d'autres plus tarnés. Quatre mandats successifs de premier magistrat depuis 1995, soit un quart de siècle, pour cet homme de gauche qui a, dit-il, gardé ses convictions politiques. Quand vous lui parlez bilan, sa fierté, avoir contribué ici à redorer l'image de la cité perchée. Bon, tout à l'heure, hein ? Le site historique n'a pas changé, évidemment, les bâtiments non plus, mais on les a entretenus, on les a améliorés, on a essayé de développer une vie économique et sociale. 1 million de visiteurs se pressent à l'année dans sa commune de 1000 habitants. Pourtant, aujourd'hui, Paul Quillès a décidé de raccrocher. À 77 ans, il ne se représentera pas comme maire. Dans la vie, il faut savoir, à un moment donné, passer la main aux générations suivantes, générations qui ont probablement d'autres idées, dont je souhaite qu'elles soient cohérentes avec ce que j'ai fait et qu'elles prolongent ce qu'on a réfléchi pendant 25 ans. Passer la main, ça ne veut pas dire oublier, bien entendu. Et si je peux être utile, je le ferai aussi, mais chacun à sa place. Car il ne sera jamais très loin. Il restera là, à veiller pour conseiller les successeurs de l'héritage qu'il laisse.